Constitutionnelle qui était préparée en sourdine par le régime d'Ali Bongo, mais les Gabonais qui ont un fort taux de caca dans le sang s'étaient levés pour m'insulter, me traitant des menteurs. J'avais dit que le régime d'Ali Bongo, dans le cadre du projet de succession dynastique, préparer des modifications de certains articles pour permettre à Noureddine Bongo d'accéder au pouvoir. Mais ces Gabonais corrompus jusqu'à la moelle épinière m'avaient insulté copieusement, me traitant de menteur. Hier, vous avez pu lire le communiqué final du Conseil des ministres et vous avez vu qu'il y a un projet de modification constitutionnelle qui va être soumis au Parlement de lundi prochain. Le Parlement est en session et de lundi prochain,
il y aura un projet de modification constitutionnelle. On sait que le Parlement, c'est une caisse de résonance du pouvoir. Et toutes les lois qui sont proposées là-bas passent comme une lettre à la poste. Désormais, d'après cette mouture de modification constitutionnelle, en cas de vacance de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale, c'est le président du Sénat et le ministre de la Défense qui vont devoir assurer l'intérim, qui vont devoir assurer la transition. Donc voilà ce qui va être fait. Tout ça, c'est pour permettre à Ali Bongo d'imposer son fils. Je l'avais dit, j'ai crié sur tous les toits, mais je ne suis pas compris. D'autres, par mauvaise foi, viennent toujours balayer tous mes arguments de revers de la main. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Où sont les imbéciles qui venaient m'insulter? Où sont ces imbéciles qui viendraient ouvrir leur mandibule pour dire que j'étais en train de mentir? Ce qui est en train de se préparer au Gabon est grave. C'est assez grave même. Il faut qu'on empêche cette modification constitutionnelle par tous les moyens, y compris une violence réparatrice des injustices. Ce n'est pas normal ce qu'Ali Bongo est en train de préparer avec sa femme. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Ali Bongo a tiré les enseignements de son arrivée accidentelle aux manettes de l'État. Ali Bongo, pour être président de la République, il aura fallu qu'il soit ministre de la Défense. Donc, il savait très bien qu'il ne pouvait pas être président s'il n'était pas ministre de la Défense. Et quand il est arrivé ministre de la Défense, il a nettoyé l'armée. Il a envoyé à la retraite tous les généraux qui pouvaient être réfractaires à son arrivée à la tête du pays. Il a balayé, il a mis ses hommes de confiance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ali Bongo fera la même chose pour son fils. Il va le nommer ministre de la Défense après, pour qu'il prenne le pouvoir. Parce que chaque fois que le temps a fait croître un bâton, au bout du bâton, l'homme a mis la lance. Chaque fois que le temps a fait croître un bâton, au bout du bâton, l'homme a mis la lance. Il va profiter de ses postes de ministre de la Défense pour s'imposer. Et surtout que la Constitution va donner ses prérogatives-là au ministre de la Défense d'assurer l'intérim. Donc voilà ce qui va se passer. Ils vont modifier la Constitution. Les sénateurs vont en vacances vendredi. Avant de partir jeudi, ils vont lâcher cette boule puante. Il faut qu'on trouve un moyen pour empêcher ça. Il faut inquiéter même ces parlementaires qui sont vraiment des vrais maboules et qui ne comprennent pas que l'intérêt du pays, l'intérêt supérieur de la nation est en danger. L'intérêt supérieur de la nation est en danger aujourd'hui. Ali Bongo tient coûte que coûte à imposer son fils. C'est la volonté de sa sorcière de femme, Sylvia Bongo. Comme c'est maboule d'Ali Bongo, ne comprend pas qu'on ne doit pas fonctionner comme ça. Il a pris le Gabon, regardez ce qu'il en a fait aujourd'hui. Et il veut imposer son fils, donc il triture la Constitution. La Constitution est sacrée. Dans des pays sérieux, habités et dirigés par des gens sérieux, on ne touche pas la Constitution n'importe comment. Vous avez vu au Sénégal, lorsque Ouad a voulu modifier la Constitution, vous avez vu ce que ça donnait? Vous avez vu dans d'autres pays comment ça s'est passé? Donc on ne peut pas accepter des modifications constitutionnelles à tout vent. C'est trop facile. À tout vent, on ne peut pas accepter ça. Il ne faut pas qu'on accepte tout. Ils sont en train de tout faire. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un remaniement gouvernemental. Ils n'ont pas pu faire ce remaniement gouvernemental parce que tout n'était pas encore. Il fallait d'abord passer par ça. Il fallait modifier. Parce que dans ce remaniement gouvernemental, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre l'actuel Premier ministre. Rose Christiane Osuka Raponda pour en faire président du Sénat. Mirez-vous compte tenu de ses liens ou du lien de son mari avec Denis Sassou Nguesso, ils vont devoir faire sauter Mirez-vous parce qu'elle n'est pas malléable. Ils vont faire sauter Mirez-vous. Et
Après, ils vont mettre Rose Christiane Osuka-Raponda comme Premier ministre, comme plutôt président du Sénat. Et plus grave encore, dans la nouvelle constitution qui se propose, dans la constitution proposée, ça dit que le président de la République va maintenant nommer des sénateurs. Dans quel pays sommes-nous? On est en démocratie, on ne nomme pas. En démocratie, c'est le peuple qui choisit. Ce sont les grands électeurs, mais sur la base des choix faits lors des élections locales. Donc, comment se fait-il qu'on est en démocratie, le président veut nommer encore des sénateurs? Ça signifie quoi? Qu'il peut nommer n'importe qui président du Sénat, mais quelqu'un qui n'a pas été élu. C'est ça le danger. C'est un grand danger. Donc, il va tout décider. Il peut prendre son fils nommé président du Sénat. Et comme ça, s'il meurt. Et tout ça, il fait pourquoi? Ali Bongo fait tout ça sous l'impulsion de sa femme. Et parce qu'il sait qu'il peut mourir à tout moment. Il sait qu'il vit 24 heures renouvelables. Ce n'est pas parce qu'on vous montre ces simagrées qu'il fait là. Ali Bongo peut mourir. Il suffit d'un deuxième AVC. C'est fini. Il sera balayé. Donc, il prépare le terrain à son fils. Tout ce qui est fait en ce moment, c'est pour préparer justement la succession dynastique qu'on ne veut pas. Ça fait 53 ans de règne, on ne peut plus accepter un autre Bongo. Même si on doit en finir en faisant comme les autres pays, on doit faire ça. Donc, c'est un danger. Je vois personne n'en parle. Les leaders politiques d'opposition sont motus et bouche cousue. Ça les arrange. Personne n'en parle. Dans quel pays sommes-nous? Moi, je ne voulais même plus parler. Je voulais rester même un mois sans parler. Parce qu'à chaque fois que je parle, je ne suis pas compris. Chaque fois que je parle, je ne suis pas compris. Et il y a des imbéciles qui sont toujours là, toujours en train d'ouvrir leur mandibule, au lieu de fermer tous leurs trous. Je suis l'un des Gabonais les mieux informés. Je vous ai fait la démonstration que je suis loin. Je suis à plus de 6 000 km du Gabon. Mais j'ai l'information à temps réel, c'est moi qui informe les Gabonais là-bas. Quand je vous dis une chose, parce que j'ai des sources fiables qui n'ont aucun intérêt à m'induire en erreur. À chaque fois que je parle, il y a des gens, parce qu'ils sont payés pour faire ça. Mais le Gabon est en danger. Le Gabon est en danger. Le Gabon ne nous appartient plus. Ça appartient à cette bande de métèques. Pourquoi Ali Bongo a fait venir Michael Moussa ou Michael Moussa, comment on l'appelle? Adamo ou Adano, je ne sais pas encore. Mais parce que ce sont complices. Ce sont complices même dans les histoires des recto verso. Ils s'entreculaient. Demandez à la femme de Michael Moussa comment ils avaient trouvé survie aux États-Unis. Ali Bongo, André Babam, Michael Moussa, c'était le trio. Ils passaient le temps à faire les partouzes. Donc c'est un homme de confiance d'Ali Bongo. C'est un homme de confiance d'Ali Bongo. Il sait pourquoi il l'a amené. Il peut même ne pas placer son fils, laisser Michael Moussa là, parce qu'ils se connaissent. Donc, du coup, c'est un homme de confiance, parce qu'on dit chez nous que si un couteau tranchant ne te blesse pas, c'est qu'il est entre les mains d'un ami. Si un couteau tranchant ne te blesse pas, c'est qu'il est entre les mains d'un ami. Donc, il a fait venir Michael Moussa. Il n'est pas le plus expert des ministres de la Défense. C'est même un esprit obtus. Mais il sait pourquoi il fait ça. Donc, il faut arrêter, il faut qu'on se lève, empêchons une nouvelle modification constitutionnelle. Ce n'est pas normal. C'est pour préparer le lit à Noureddine Bongo. Et les imbéciles qui viennent souvent nous distraire, il faut les chasser. Parce que le pays va mal. Le pays va mal. Moi, je suis là pour vous informer souvent. Quand je vous avais dit qu'Ali Bongo n'était pas mort, il y a des rigolos qui étaient payés pour empêcher qu'on attaque Ali Bongo pour venir mentir qu'Ali Bongo est mort. Ils ont tout dit. Je n'ai jamais vu les gens aussi ma boule comme ça. Le pays est arraché aujourd'hui par des étrangers. On devient étranger sur notre propre sol, mais il y a des imbéciles qui ne comprennent pas qu'il faut qu'on prenne notre responsabilité. J'ai lancé le Conseil de la Révolution. Vous avez des idiots qui était là, qui faisait des bêtises, et qui continue de le faire. Et ils pensent que c'est bien comme ça. Parce que ce sont des Gabonais d'occasion. Les vrais Gabonais, il n'y en a plus. Les rares Gabonais donnent leur cul, on leur met ça dedans, et ils ne peuvent plus parler. Mais bon, ça n'empêchait pas les vrais Gabonais de parler des choses de leur pays. Nous tous, on n'a pas donné les fesses.
Donc, il faut qu'on empêche cette modification conditionnelle. Parce qu'elle vise à préparer le riz à nourrir Bongo. Ils ont essayé par tous les moyens, ils n'ont pas compris. Ils ont voulu faire un coup d'État. Ça n'a pas marché. Ils ont su que la communauté internationale pouvait condamner ça. Donc, ça n'a pas marché. Ils ont imposé un couvre-feu. Ils ont imposé un confinement pour essayer de préparer tout ça. Et maintenant, ils ont du mal à tout. Maintenant, là, leur trouvaille, c'est la modification de la Constitution pour imposer progressivement Nourdine Bongo à la tête du pays. Donc, voilà ce que ça cache. On va modifier. C'est l'article 13 qui est visé ici. L'article 13 qui disait qu'en cas de vacances de pouvoir, l'intérim est assuré par le président du Sénat. C'était ça. Omar Bongo a laissé ça comme ça. Vous pensez qu'il était bête? Nous gabons sur Omar Bongo n'était pas aussi démocratique que ça, mais il était mieux qu'aujourd'hui. Nous avons des institutions qui pouvaient bien préparer à soir la démocratie. Mali Bongo en train de faire régresser toutes ces institutions en imposant la dictature. Et ce n'est pas normal. On ne doit pas accepter ça. On ne doit pas accepter ce qui se passe. Les gens sont dans la distraction pendant que le pays est en train d'être ravi par des étrangers qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Mais il y a des imbéciles qui sont en train de faire dans la distraction. Moi, ça m'énerve. Je n'ai pas parlé, je suis resté chez moi à écrire mes livres. Je n'étais pas malade, j'ai vu les gens. Pourquoi vous voulez? Je parle tous les jours, je ne suis pas compris. J'avais prévenu les Gabonais qu'il y a une modification constitutionnelle qui est en vue. Ils sont en train de préparer. Je n'ai pas été écouté. Quand je dis faisons ça, on ne m'écoute pas. On écoute les distracteurs, on écoute les activistes commerçants qui sont venus dans l'opposition pour se faire de l'argent parce que le PDG ne leur donnait plus assez. On peut faire écouter les distracteurs. Voilà le Gabon. Mais demain, on va regretter ça. Demain, on va regretter ça. Si on ne fait pas quelque chose pour empêcher cette modification constitutionnelle, si on ne commence pas par inquiéter les députés qui habitent dans les quartiers, il faut commencer par les inquiéter pour qu'ils n'aillent pas voter ça. Dès ce week-end, dès aujourd'hui, il faut commencer par inquiéter ces députés-là. Il faut commencer par inquiéter les sénateurs. Vous savez où ils habitent. Il faut commencer par attaquer leurs intérêts, leurs véhicules même. Comme ça, on ne va plus. Ils ne vont pas jouer. Ils savent qu'on sait où ils habitent. Et ils savent qu'en cas de modification constitutionnelle qui prépare une succession dynastique, ils seront tenus pour responsables. Moi, je ne comprends pas. Donc, je vous dis, faites attention. Le Gabon est en danger. Ça va passer comme il est à la poste. Si on laisse ça arriver, ça passe. Et voyez-vous, hein, ils profitent souvent quand je m'étais, remarquez bien, les grands coups bas qu'ils font. Quand ils me voient silencieux, ils pensent que je suis malade. Ils ont pensé que j'étais malade, que je n'allais pas parler, puisqu'ils ont déjà payé les autres activistes. Les autres sont déjà des commerçants. Vous voyez vous-même. Ils ne parlent plus. Et quand je m'étais, ils profitent de balancer ça. Il dit, ah, Moulinda, c'est pas malade. Je voyais des gens du gouvernement qui m'envoyaient des messages. C'est comme on ne te voit plus connecté. Parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire. Ils savaient qu'au Gabon, personne ne va ouvrir ses mandibules. Mais ils pensaient que moi, j'étais malade. Moi, je ne suis pas malade. Ceux qui pensent que ils perdent leur temps, j'observe. J'ai appris à observer. Et je savais ce qui se préparait. Donc, je voudrais vous dire, l'autre pays est en danger. S'il y a du temps ce soir, on pourra faire une émission spéciale pour vous détailler comment ils font leur plan de prise de pouvoir pour donner Ali Bongo ce qu'il peut mourir à tout moment et qu'il faut préparer le riz à son fils parce que ça va être difficile. Il sait très bien que s'il meurt, le PDG va éclater. Donc il faut déjà mettre des verrous. Il met des verrous pour éviter que son fils, que le pouvoir lui échappe, justement. C'est ça ce qui est fait en ce moment-là. Et il y a des rigolos au PDG, ces recteurs vers ceux qui sont au PDG qui voient ça, qui n'arrivent même pas à parler. Vous pensez que ce sont les Gabonais, ça? Ils n'ont plus de cœur, ces gens. Ce sont des animaux. Les gens qui sont au PDG n'ont plus de cœur. Regardez même quand Chambly est mort. Chambly qui était fondateur du PDG, qui a imposé Ali Bongo en 2009. Ils ne sont même pas partis aller déposer une gerbe de fleurs là-bas. Le groupe parlementaire du PDG n'est même pas parti déposer une gerbe de fleurs. Vous pensez que ce sont des humains, ça? Vous comptez sur des gens comme ça? Vous comptez sur des gens comme ça? Il n'y a rien à attendre d'eux. Ni des opposants, des PDG se convertis en opposants, ils sont pareils. Ils ont des pactes de non-agression et ils ne vont jamais dénoncer ces choses-là. Donc, le Gabon est en danger. Les gens sont en train de rigoler.
Les Gabonais qui sont à l'étranger ne meurent pas de faim. Moi, je dis souvent aux gens, à l'étranger, il y a des mécanismes sociaux qui ont été mis en place par le gouvernement. Et les gens ne peuvent pas mourir de faim à l'étranger. Ce sont les gens qui sont au Gabon qui vont souffrir. C'est vous qui êtes au Gabon, vous qui êtes là autour du PDG. Vous allez galérer demain. Vous avez vu comment on a traité les autres. Donc, quand on vous parle des choses, il faut souvent comprendre parce que c'est mauvais. Ce qui est en train de se préparer là au Gabon, c'est dangereux. Ce n'est pas bon pour notre pays. Notre pays accuse un recul démocratique. On ne doit pas laisser ça là. On ne doit pas laisser ça. Au nom de qui? Ali Bongo et quoi? Pour modifier la constitution à tout moment. Vous avez vu ça dans les pays? La France qui nous sert de référence. La France a modifié combien de constitutions? Les États-Unis ont modifié combien de constitutions? Qui sont les plus grandes démocraties. Pourquoi chez nous on a modifié? Pourquoi c'est recul de la démocratie? Ali Bongo a fait quoi? Il a détruit le Gabon. Et il y a des imbéciles qui soutiennent un rigolo comme ça, comme ils sont tous une légion d'imbéciles, ils soutiennent ça, mais moi je ne soutiendrai jamais ça. Je ne soutiendrai jamais ça. On ne peut pas modifier la constitution. La constitution est sacrée. Vous avez vu dans les autres pays, quand on a voulu modifier la constitution, les gens se sont levés. Vous verrez ça au Sénégal? Ce qui se passe au Gabon en ce moment ne peut pas être accepté dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Jamais. On ne peut pas faire ça au Mali. On ne peut pas faire ça au Sénégal. On ne peut pas faire ça au Bénin. On ne peut pas. On ne peut pas faire ça au Togo. Les gens vont se lever. Donc, il faut arrêter. Ce qui est en train de se préparer est grave. Ce qui est en train de se préparer est grave. Nous, on se bat pour vous là-bas qui êtes au Gabon. Nous qui sommes à l'étranger, on n'a pas faim. On ne mourra jamais d'inanition. On ne mourra jamais d'inanition. On ne mourra jamais de faim. Donc, que des rigolos qui viennent souvent nous empêcher. Si vous les connaissez, commencez à repérer ces gens-là qui viennent sur Internet là, par des pseudos-là. On va régler leur compte. Ali Bongo partira. Même si on doit faire une guerre civile pour reconstruire le Gabon, on sera obligé de passer par là. Peut-être faudra-t-il passer par là. Les grands pays qui sont stables aujourd'hui sont passés par là. Même la France, qui nous sert de référence, a connu une révolution sanglante. Et si au Gabon, on doit passer par une révolution sanglante pour préparer un pays viable à nos enfants, on doit s'y atteler. C'est pourquoi j'ai dit qu'on doit lancer le Haut Conseil de la Révolution, c'est pour tenir compte de tout ça. Parce que le combat aujourd'hui a dépassé une dimension. Les gens disent, oui, Dieu viens nous en aide. Mais vous faites quoi vous-même pour que Dieu vous vienne en aide? Vous faites quoi pour que Dieu vous vienne en aide? Il y a des actes qui sont des actes simples. Non, même le Togo, quand les gens, les opposants du Togo se lèvent quand même, même s'ils si n'obtiennent pas tout, ils se mobilisent. Mais chez nous, les opposants dorment. Vous me parlez de quoi? Je connais l'actualité internationale. Vous parlez à un journaliste. Vous parlez à un journaliste. Au Togo, il y a des gens qui ce n'est pas les activistes des pacotis du Gabon qui acceptent seulement l'argent qui devient des commerçants. Au Togo, les activistes et les opposants travaillent en tandem et ils critiquent fort. Ce n'est pas des conneries qu'on fait au Gabon là. Où n'importe qui arrive, il était au PDG, il arrive maintenant dans l'opposition, et puis il devient maintenant un agneau sans tache. On lui accorde une confiance aveugle, on lui donne un chèque à blanc. Il n'y a qu'au Gabon parce que nous sommes des aveugles. Mais les gens avertis comme nous, on ne va jamais accepter ça. Parce que la poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. La poule qui a les yeux ne mange pas la graine d'arachide pourrie. Il n'y a qu'au Gabon où on accepte des bêtises. Parce qu'on n'est pas assez ouvert au monde, on n'est pas assez cultivé, on ne se renseigne pas, on accepte des bêtises, accepter des gens comme Nouredine Bongo, le Gabon. Vous voyez quelle bassesse. Un gosse de 28 ans qui ne connaît pas le Gabon, pour diriger un pays, il faut connaître le sociographe de ce pays. Pour diriger un pays, il faut connaître le sociographe de ce pays. On ne dirige pas un pays comme ça à l'aveugle. Ali Bongo ne connaît pas le Gabon, il ne connaît pas les Gabonais. Vous voyez les bêtises qu'il fait? Lui-même, c'est une bêtise. Donc, il faut qu'on se batte pour empêcher la modification constitutionnelle parce qu'elle prépare l'arrivée d'Ali Bongo au pouvoir. De Nouredine Bongo au pouvoir. Ali Bongo, pour être président, il a fallu qu'il soit ministre de la Défense. S'il n'était pas ministre de la Défense, il n'aurait pas pu prendre le pouvoir. Il n'aurait pas pu prendre le pouvoir. Donc, c'est ce qui est fait. Il faut qu'on se lève. Il n'y a pas à dire Dieu, Dieu, Dieu. Dieu aide les gens qui sont entreprenants.
Il faut que maman soit entrepreneur. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller dans la rue. On peut poser des actes isolés. Chacun est voisin d'un sénateur. Chacun est voisin d'un député. Il faut commencer à les inquiéter dans le quartier pour qu'ils sachent qu'on ne peut pas faire ça. Parce que tant que ton singe ne t'a pas vu avec le crâne de notre singe, il n'aura pas peur de toi. Tant que le singe ne t'a pas vu avec le crâne de notre singe, il n'aura pas peur de toi. Donc, il faut qu'on se batte. Il faut qu'on empêche une nouvelle modification constitutionnelle. On ne doit pas titurer notre constitution comme ça. La constitution, elle est sacrée. Et n'importe quel guignol politique, comme Ali Bongo, ne peut pas se permettre de faire ça du Gabon. Il n'a rien fait du Gabon. Il a fait régresser le Gabon. On ne va pas accepter qu'un cancre comme ça vienne faire ça de ce pays-là. C'est inacceptable. Donc, moi, je vais vous dire, quand je vous dis des choses souvent, prenez la peine de m'écouter. Même si vous ne m'aimez pas, je ne suis pas là pour que vous me fassiez des bisous. Ce n'est pas ça. Non. Pour que vous me fassiez des bisous. Ce n'est pas ça mon objectif. Je suis là pour éclairer le peuple. C'est mon rôle. Et je ne le fais pas aujourd'hui. Je le fais depuis l'âge de 15 ans pour tirer les sonnettes d'alarme. Pour ouvrir les yeux et je suis fier de le faire. Et ce n'est pas demain que je vais arrêter ça. Pas parce qu'une bande de petits imbéciles se réunit pour me titurer, me salir. Mais l'histoire m'a toujours donné raison. À chaque fois que je parle ici, l'histoire m'a donné raison. Je vous ai dit qu'Ali Bongo n'était pas mort, que c'était une erreur. Qu'attention, les activistes qui disaient qu'il était mort avaient été payés pour ne pas attaquer Ali Bongo, pour lui donner l'occasion de récupérer. C'était ça. Moi, on m'avait proposé l'argent. On m'avait proposé 1 million par mois pour que je n'attaque plus Ali Bongo. J'ai dit niet. Et si moi j'ai dit non, ils ont proposé aux autres. Ils m'ont dit d'ailleurs que faire la bouche, tu mourras de faim, les autres vont prendre ça. Les autres ont pris, vous voyez comment ils se comportent aujourd'hui. Ce sont des commerçants. Ils vendent le pays parce qu'on leur donne des friandises. Le Gabonais est tellement idiot qu'il ne sait pas qu'au lieu de réclamer un morceau de pain, il faut réclamer un pain entier. Donc, moi je suis venu vous dire, c'est dangereux. Je suis là pour attirer votre attention. Là, c'est un danger. Ce qui se prépare de lundi n'est pas bon. Il faut qu'on trouve un moyen pour inquiéter ces gens-là. Par tous les moyens, qu'on dribble à gauche ou à droite, l'essentiel c'est de marquer le but. Donc, moi je suis venu vous dire, c'est dangereux. Ils sont en train de préparer la succession dynastique. Ils sont à la manœuvre. Ils ont fait venir des constitutionnalistes, je vous avais dit, avec la complicité de cette sorcière de Marie-Madeleine Bonanzo. Ils ont fait venir des experts pour modifier la constitution, pour la tailler sur la mesure de même de la constitution marocaine, qui est une constitution royale. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, si Ali Bongo arrive à nommer maintenant les sénateurs, on n'est plus en démocratie. Alors qu'il nomme tout le monde, l'élection n'a plus son droit d'être au Gabon. Et on ne doit pas accepter ça. Il faut que par tous les moyens, on empêche ça. Et quand moi je viens vous dire, je prends la peine, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de projets de ma vie que j'ai mis en suspens parce que je me suis investi corps et âme dans ces combats. Donc n'acceptez pas que des rigolos, des petits zinzins qui sont arrivés dans l'opposition accidentellement pour se faire de l'argent, des gens qui sont devenus activistes pour devenir commerçants pour divertir. Il ne faut pas accepter qu'ils vous divertissent. Si vous acceptez d'être diverti, c'est que vous êtes des jouets comme eux, vous êtes des guignols comme eux. Donc n'acceptez plus ça. Parce que ce qui est en train de se passer en ce moment-là, ils ont préparé pour quand ils ont vu que Moulinda ne parle pas. Depuis une semaine, je ne parle pas. Ils ont dit c'est le moment de faire glisser ça. Ils pensaient qu'il allait rester. Moi, je ne peux pas me taire parce que j'ai un devoir de dédouanement moral le moment venu. C'est mon pays, je n'ai pas un pays de rechange. Je peux prendre la nationalité française, je peux prendre la nationalité belge, je peux prendre la nationalité de n'importe quel pays parce que je suis citoyen du monde, mais je reste gabonais parce qu'on peut éloigner l'homme de son pays, mais on ne peut pas éloigner le pays du cœur de l'homme. Donc, je suis venu vous dire, il faut commencer à faire du boucan sur la toile, ne suivez pas les rigolos qui ont été achetés, laissez-les faire ce qu'ils veulent, on ne peut pas parler d'aller aux élections en ce moment. Avec les mêmes institutions, ce serait encore faire le lit du pouvoir. Les rigolos, les sorciers qui parlent d'aller aux élections, ce sont des sorciers qui sont à la solde du pouvoir. Ils ont reçu l'argent pour dire ça. Ils savent qu'aucune élection ne peut être gagnée. Omar Bongo, on a tout fait sur Omar Bongo. On n'a pas pris le pouvoir. Omar Bongo, c'était une dictature même douce par rapport à Ali Bongo qui est une dictature féroce. On n'a pas pu prendre le pouvoir. Donc si on n'a pas pu prendre le pouvoir sur Ali Bongo, ce n'est pas sur Omar Bongo, ce n'est pas avec Ali Bongo qu'on prendra le pouvoir par voie électorale. Une dictature ne se chasse pas comme ça. Je vous dis souvent que lorsque un serpent s'enroule autour d'une calebasse, il n'y a pas d'autre moyen que de casser la calebasse. Donc c'est grave ce qui est en train de se préparer au Gabon. Il faut qu'on pose des actes qui doivent inquiéter ces gens-là.
n'y a que ça. Il faut inquiéter. Ils ont tué les Gabonais. Et si nous, on peut aussi faire des actes de représailles contre les gens qui sont en train de tuer le Gabon aujourd'hui, ce serait un acte, ce serait la meilleure vengeance qui soit. Donc, moi, je ne suis pas là pour suivre des imbéciles qui sont en train de distraire. Moi, je ne suis pas. Vous voyez là, vous voyez que j'ai la tête du petit Mayombo. Vous voyez que j'ai la tête d'un comédien. Je ne suis pas un comédien. J'ai du temps. J'ai du talent en écriture. Je pouvais passer mon temps à écrire mes livres. Comme je l'ai fait depuis une semaine. Mais ça, là, ça ne pouvait pas passer. C'était trop gros. C'était trop gros pour laisser ça comme ça. Laisser, il faut qu'on se lève contre la modification constitutionnelle qui se prépare de lundi. C'est pas normal. On doit défendre notre pays par tous les moyens. On ne doit pas accepter que des rigolos, un Biafrais comme Ali Bongo, un Nigérien qu'on a accepté, qu'on a accueilli chez nous, qu'on accepte que ces rigolos, ces petits Nigériens-là, fassent ces désordres. Ou qu'il impose son enfant qu'il a acheté dans un orphelinat au Maroc, l'imposer comme président du Gabon, c'est inacceptable. On ne doit pas accepter ça. Et quand je vous parle souvent, prenez la peine de m'écouter. Parce que je vous prouve tous les jours que je suis un technicien d'information. Je vous prouve tous les jours que je ne suis pas tombé dans le monde de la communication par hasard. Je ne suis pas tombé dans la communication accidentellement. Que moi, je me sens investi d'une mission d'ouvrir les yeux aux Gabonais. Contrairement à ces faquins que vous voyez qui viennent vous distraire. Vous ne devez pas vous laisser distraire. Parce qu'on ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. On ne marche pas en regardant les étoiles quand on a un caillou dans sa chaussure. Quand je vous dis des choses, apprenez. Les gens qui vous disent qu'Ali Bongo est mort, ce sont des chiens qui vous disent ça, qui sont là pour vous distraire. Ils ont été payés pour ça. Pour qu'on n'attaque plus Ali Bongo. Voilà comment il récupère. Et comme il sait qu'il peut mourir à n'importe quel moment, il est donc obligé de préparer les mécanismes qui amènent son fils à accéder au pouvoir. Et après, demain, on va se réveiller. Il sera trop tard. Donc, il faut arrêter ça. Arrêtez de vous faire distraire. Quand je vous dis des choses, je n'ai aucun intérêt à venir vous mentir, à venir vous distraire. J'ai autre chose à faire. J'ai sacrifié ma vie professionnelle. Au point, parce que si demain, je trouve un boulot quelque part, je n'aurai plus le temps de faire ça. Parce qu'il y a des sociétés aujourd'hui qui imposent même que tu ne fasses pas la politique. Vous savez, l'Europe, ce n'est pas le bout du monde. Ces sociétés ont des ramifications en Afrique. Donc j'ai sacrifié ma carrière, même si les Gabonais sont ingrats aujourd'hui. J'ai sacrifié ma carrière parce que je me dis, pour que je fasse ce combat, il faut que je sois totalement libre. Parce qu'à tout moment, je peux monter au créneau. Donc je le fais avec cœur. Et quand je vous dis que les choses, ça se passe comme ça, je sais de quoi je parle. Quand je dis faisons tel acte, posons tel acte, il faut qu'on le fasse parce que il n'y a que ça là qui va nous libérer. On n'a rien à attendre de ces gens-là. Quand je vous dis que ce n'est pas ça, c'est comme ça, je sais. J'ai des gens qui n'ont aucun intérêt à me mentir dans ce système-là. Il y a des bons patriotes à l'intérieur qui me donnent des informations et qui n'ont aucun intérêt à manipuler. Parce qu'ils aimeraient que les choses changent. Même dans l'armée-là, tout le monde n'est pas d'accord avec Ali Bongo. Je vous ai dit qu'Ali Bongo n'était pas mort, qu'il était là. Faites attention, on n'a pas compris. Il y a des zinzins qui sont venus, qui ont fait tout, les fausses simulations. Non, il est comme ça. Les spécialistes en sosie, ils ont tout raconté. Mais Ali Bongo est là. Il est qui pour mourir? Pendant 3 ans, on ne va pas annoncer sa mort. Il est qui? Il est là. Il est affaibli. Et comme il sent qu'il est affaibli, il va mourir. Il prépare le terrain à son fils. Et quand je vous dis c'est ça, je vous ai dit qu'il y aura des modifications constitutionnelles. On m'a insulté. Aujourd'hui, on est où? L'histoire me donne raison. On est où? Voilà une modification constitutionnelle, l'article 13 de la Constitution, qui va être modifié de fond en comble. Et ça sera voté en l'état, avec ces sénateurs acquis totalement la cause du pouvoir. Ils feront ça. Donc, apprenez à les comprendre. Parce qu'un grand reste un grand. Et 10 petits ne font pas un grand. Bon sang. 10 petits ne font pas un grand. Quand un grand vous parle, il faut écouter. Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire. Je raconte mon grand-père. Dans un village, il y avait un homme
Cet homme-là avait son dernier fils qui était devenu grand. Et ce fils-là, devenu grand, voulait s'affranchir. Il voulait devenir un homme autonome. Cet homme-là s'appelait Mumbina. Il avait son fils, Pogu, qui voulait voler de ses propres ailes. Un matin, il est allé s'asseoir à côté de son père pour lui parler. Il a dit, papa, j'ai envie d'avoir ma propre maison. J'ai envie de voler de mes propres ailes. Et Mumbina a dit, oui, mon fils, tu as raison, tu es devenu grand. C'est normal que tu aies ta propre maison. Parce que dans notre société, un homme qui n'a pas son toit n'est pas responsable. Je t'autorise à construire ta propre maison pour que tu ailles fonder ta propre famille. Et c'est comme ça que Pogu, le fils de Mumbina, il a pris une machette, il est allé en brousse, il est allé couper tout ce qu'il y avait comme matériau pour construire sa case. Quand il est revenu, il a commencé à construire sa case sous l'œil vigilant de son père Mumbina. Et quand il a fini de construire sa case, il a décidé d'aller épouser sa femme, toujours assistée de son père Mumbina. Et après, quand il a fini de tout installer dans la maison, il est reparti chez son père Mumbina pour dire, papa, j'aimerais que tu viennes demain à la maison voir un peu comment je suis installé chez moi avec ma femme. On t'invite à la maison. Donc Mumbina est parti le lendemain et il s'est assis sur une chaise en liane qui avait été préparé par son fils. Donc, la belle fille, la bru, l'a servi à boire. Et au cours de leur discussion, Pogu a dit à son père Mumbina, il dit, papa, tu sais que je suis plus rusé que toi, je suis plus malin que toi. Mumbina a dit, ah bon? Mais toi, tu es mon fils, tu es plus rusé que moi, moi je suis avant toi. Il dit, papa, je suis plus rusé que toi. Et ça, je vais te le démontrer. Si je me cache ici, là, tu ne vas pas me trouver. Tu vas fouiller, fouiller, fouiller. Tu ne vas pas me trouver. Le père a dit, ah ouais? Le père a dit, attends, papa. Je vais te démontrer que je suis plus rusé que toi, plus intelligent que toi. Et c'est comme ça qu'il a tourné derrière la maison. Il a vu l'arachide qui traînait par là. Il a décortiqué l'arachide. Il a mangé la graine. Et comme il avait le pouvoir de son grand-père, il s'est rétréci, il est entré dans la coque, l'arachide là. Il s'est renfermé, il s'est caché là à l'intérieur. Et après, il y avait un coq qui passait par là. Le coq a vu l'arachide. Le coq a avalé cette arachide. Et le coq s'est mis à tourner. Et pendant que le coq tournait, il y avait un animal qu'on appelle langouste qui traînait par là. Il est venu avaler le coq là. Et il a fui en brousse avec le coq. Et comme il était repu, cet animal était repu, il s'est mis au pied d'un arbre. Et au pied de cet arbre, il y avait aussi un python qui était là, qui dormait et qui avait faim. Le python est venu avaler donc le langouste là. Et après, quelques jours, le python n'avait plus faim. Il avait envie de manger. C'est comme ça que le python a décidé d'aller chercher du bétail au village, puisqu'il savait que là-bas, il y avait les cabris, il y avait les chèvres, il y avait les moutons. Et quand il est allé au village, le mouton est passé derrière l'enclos de Mumbina. Il a vu justement qu'il y avait du bétail. Et il a commencé à approcher. Mais lorsque les chèvres ont vu le python, ils ont commencé à tirer l'attention, à fuir. Et Mumbina qui était avec sa femme Marundu, parce que le fils avait disparu, il disait qu'il y a un problème, notre fils a disparu. On l'a fouillé partout, il m'a dit qu'il... Je ne pouvais pas le trouver, je suis sûr qu'il est mort. Mumbina est sorti avec son fusil et il a tiré sur le python.
python est mort. Ils ont traîné le python jusqu'à derrière la maison. Ils ont dépecé le python. Quand ils ont dépecé le python, ils ont trouvé le langouste qui était là. Après, ils ont dépecé. Ils ont pris le langouste. Ils ont dit, ah, ça aussi, on va manger ça. Et ils ont dépecé le langouste. Ils ont trouvé qu'il y avait un coq à l'intérieur. Ils ont dit, ah, le coq là est mort, on va aussi le manger. Après, ils ont dépecé le coq. Ils ont découvert qu'il y avait l'arachide là qui était. Ils ont enlevé l'arachide. Quand ils ont ouvert, ils ont vu que le petit Pogou s'y cachait, que Pogou se cachait dans l'arachide. Et c'est comme ça que Mbina a dit, mais mon fils, heureusement que tu n'es pas mort. Tu as vu que j'ai fini par te trouver. Parce qu'il voulait te démontrer que je suis plus expérimenté que toi. J'ai fini par te trouver où que tu ailles. Mais moi, je vais te démontrer que je suis ton père, que je suis né avant toi, que j'ai commencé la vie avant toi. Je vais te démontrer ça d'ici là. Et un matin, Mbina a dit à son fils, Pogou, on va aller à la chasse. On ne doit pas mourir de disette. C'est comme ça que Pogou a suivi son père, Ambrose. Et sur le terrain de chasse, naturellement, les consignes étaient strictes. Mbina a dit à Pogou, doucement, ne marche pas en faisant du bruit. Faut pas piétiner les feuilles décidues pour éviter de faire fuir les éléphants, les animaux. Et pendant qu'ils marchaient, ils ont entendu le barissement d'éléphants. Mbina a dit à son fils, alors mets-toi au pied de ces palétuviers, mets-toi entre les branches de ces palétuviers. Ne bouge pas, laisse-moi, je vais aller abattre cet éléphant, le chef du troupeau. Mais ne sors pas de là, parce qu'ils peuvent venir te tuer. Donc Mbina a laissé son fils Pogou au pied du palétuvier, entre les tentacules de ces palétuviers. Il s'est avancé agilement vers l'éléphant. Et après s'être rassuré que son fils était en sécurité, il a battu le chef des troupeaux. Après, les autres éléphants se sont dispersés, comme chaque fois qu'on tue le chef de troupeau, les autres éléphants se sont dispersés. Et Mbina a coupé la trompe. Et il a dit à son fils Pogou, dit l'éléphant c'est un gros gibier, c'est bon pour tout le village. Va appeler les gens qui sont restés au village pour leur dire de venir dépecer l'éléphant pour amener chacun sa part au village. Pogou a dit, ok papa j'arrive. Il est parti au village. Mais quand Pogou arrive au village, il entend des bruits déjà. Quand il approche le village, il entend des bruits, des gens qui pleurent. Il commence à être intrigué. Et en avançant, il se rend compte que les pleurs là viennent justement de la case de son père. Il trouve des gens qui étaient là. Et il y avait un corps au milieu. Et il dit aux gens, vous pleurez quoi? Il dit, mais toi tu nous poses la question, mais c'est ton père qui est mort. Voilà le corps qui est là, tu vois pas que c'est ton père? Alors Pogou était confus, il a dit, mais comment ça? Mais papa, je l'ai laissé en brousse. Papa est resté en brousse là-bas, il n'est pas mort. Il m'a envoyé venir vous chercher pour aller dépecer l'éléphant qu'il a tué parce que c'est du gibier à partager avec tout le village. Ils ont commencé à le traiter de fou. Il dit, tu es fou. Ton père est mort. Il dit, non, j'ai voulu que mon père n'est pas mort. Il dit, mais voilà ton père, le corps. Tu vois pas que c'est lui. Il dit, non. Il est reparti en brousse. Et quand il arrive au village, en brousse, il trouve son père, Mbina, qui était là. Mbina dit, où sont les gens que je t'ai demandé d'aller appeler? Il dit, mais papa, mais je ne comprends pas. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé que tu étais mort. Tu étais là à la cour. On a dit que c'est toi qui es mort. Ils m'ont même traité de fou. Il dit, retourne appeler les gens. Cet éléphant que j'ai tué ne doit pas se décomposer ici. Pogou est reparti au village. Et quand il est revenu, il a trouvé tous les gens en train de pleurer. Il dit, mais je ne comprends pas, papa, en plus, il dit, mais tu es fou, ton père est là, il est mort. Il dit, mais comment ça? Il dit, c'est lui, mais toi, tu n'es même pas soucieux, ton père meurt et tu es insoucieux. Et c'est comme ça que Mbina est reparti encore en plus. Et qu'il arrive seul, le père dit, mais où sont les gens? Il dit, mais papa, je te dis que quand j'arrive là-bas, j'ai trouvé que tu étais mort. Il dit, tu es fou, moi je suis là, comment je suis mort? Répare m'appeler les gens. Mbina, Pogou est reparti encore à la demande de son père Mbina. Et cette fois-ci, ils ont dit, écoute, déshabille-toi, ton père est mort, tu dois pleurer conformément à la tradition.
dit, mais je ne peux pas pleurer, j'ai laissé mon père au village. En brousse, il a tué un éléphant, moi-même j'ai vu l'éléphant. Et celui qui me demande de revenir, il insiste. Les gens ont dit, c'est ton père qui est mort. Il a dit, je ne crois pas, je ne comprends pas. Il dit, il faut que je reparte en brousse encore une troisième fois, une quatrième fois. Et c'est comme ça que Mumbina a dit, bon, comme ils ne veulent pas venir, on va aller là-bas. Et puis, je vais leur dire moi-même que je ne suis pas mort. Comme ça, ils seront convaincus, ils viendront dépecer l'éléphant parce qu'il ne veut pas pourrir ici. Et Mumbina, comme la nuit tombait bientôt, il est reparti avec son fils, avec la trompe. Et quand il arrive au village, il se rend compte que c'est en fait quelqu'un d'autre qui était mort, qui avait juste pris l'apparence de Mumbina. Et Mumbina a dit à son fils, tu vois mon fils, je t'ai baladé. J'ai voulu te prouver que en réalité, tu n'es que mon fils, que tu as encore besoin d'encadrement, que je voulais te prouver que j'ai vu le jour avant toi, et que tu ne pouvais pas me balader. Toi, tu es rentré dans l'arachide, après le coq t'a avalé, après le langouste t'a avalé, le python t'a avalé. Moi, j'ai fini par te trouver, mais toi, tu n'as pas trouvé où j'étais. Tu ne savais pas, tu étais confus. Je voulais te démontrer que je suis né avant toi, que je suis ton père. Et que tu ne peux pas me rouler dans la farine. Je te l'ai démontré. C'est là où le petit Pogo a dit, oui papa, tu avais raison. C'est toi le grand. J'espère qu'un jour, vos petits activistes des pacotis qui ont été achetés par le pouvoir et leur larbin du régime vont reconnaître que quand je parle, que j'ai raison. Qu'ils vont reconnaître, même à titre posthume, quand ils ne seraient plus là. Que quand je disais des choses, que c'était vrai. Que parce que je suis dans ces combats, je suis vieux dans ce combat, 27 ans de lutte, et je connais les stratégies pour affaiblir ce régime. Je le connais parce que le bélier qui décime le troupeau naît dans ce troupeau. Et vous avez vu que la modification constitutionnelle, j'ai voulu vous démontrer aussi aujourd'hui à travers cette vidéo d'appel à la conscience patriotique que je suis un ancien et un ancien. C'est toujours, il a une expérience différente. Il peut vous balader comme il veut. Parce qu'il sait. Vous avez vu que le père de Mumbina, que Mumbina a baladé son fils, qui croyait être plus intelligent que lui. Vous-même, vous avez vu. Quand je m'étais, vous voyez le silence. C'est pourquoi ensemble, nous devons dire non à la modification constitutionnelle. Parce que ça prépare le lit à Norine Bongo. Parce que j'ai vu les choses venir. Parce qu'un enfant né et élevé au village a un esprit spitant. Il voit les dangers venir. Et ce qui est en train de venir là, c'est un danger. Et en tant que dévancier dans ce combat, je me tenais de vous le dire, que nous devons nous lever pour dire non à la modification constitutionnelle, parce que je vois les choses venir. Et celui qui descend le premier dans la rivière annonce la profondeur aux autres. Abat les complices de ces régimes criminels. Yo,
Thank you.